Oh, c'est super, on démarre le Social Selling Forum Toulouse. C'est le 93e Social Selling Forum et là on a une session, une conférence plénière avec plein de monde et puis plusieurs animateurs, plusieurs panélistes avec Catherine qui est là, qui va nous faire une keynote d'introduction, Carole Bonnemain, Pierre Antunes, Stéphanie Palot, Annick Ohaillon et Linda Longeot. Hein, je crois qu'on dit le Jo, c'est bien ça. Bon, on parlera de social selling, virgule, le rôle clé du marketing. Quel est ce rôle concret du marketing, alors qu'on soit d'ailleurs tout seul indépendant et qu'on ait une casquette marketing et une casquette vente, d'ailleurs en général, hein, quand on est indépendant, ou qu'on soit évidemment dans une petite, grosse ou moyenne entreprise où il y a du marketing d'un côté et de la vente de l'autre. D'accord? Et on verra comment le marketing peut aider les dirigeants notamment et les social sellers ou les futurs social sellers à développer leur image de marque personnelle pour qu'ensuite ils puissent devenir d'ailleurs les meilleurs ambassadeurs de leur propre marque. Voilà. Et on terminera en parlant de la posture qu'un dirigeant peut adopter sur les réseaux sociaux. Si on a le temps, Catherine va commencer. Si on a le temps. Catherine Pinto, Catherine Tarapaki C'est Pinto, important. voilà, important. Elle va nous parler du marketing justement au service de la vente. Catherine, c'est à toi. Ça y est, je me lance. Je suis la première. Ah, pas mal, pas peur. Concernant le déroulement de cette journée. Et pour mettre les choses un petit peu en perspective, je suis partie du principe, enfin, encore une fois, ce n'est que ma version. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez parfaitement le droit de l'être. Sachez-le, on est là pour en discuter. Je suis partie du principe que le marketing était une vente sans consentement. C'est un petit peu rigolo, j'ai trouvé ça marrant récemment. C'est-à-dire que mettre en avant des choses sur le principe de dire que c'est vachement bien, c'est un peu le marketing. Aujourd'hui, voilà ce qu'on nous dit, sans confondre publicité et marketing, on est quand même sur une injonction un petit peu verticale qui nous dit que voilà ce qu'il faut faire et voilà comment le faire. Du coup, l'avantage qu'on a sur les réseaux sociaux, c'est qu'on est quand même dans la modération. On a la possibilité d'en discuter, d'argumenter, de dire le contraire et de pouvoir arriver au bout de sa démarche commerciale, puisque c'est un petit peu le principe de la journée d'aujourd'hui. Donc, comme vous êtes là pour, je pense, enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on le voit, prendre des informations et j'espère pouvoir s'en servir pour votre développement, pour votre commerce, pour votre image et tout ce que vous allez en faire derrière. Quand on fait du marketing sur les réseaux, bah, on fait de la vente, souvent. Et du coup, on se jette en pâture à une foule de commentaires. Alors, il y a bien évidemment des commentaires sympathiques et d'autres un petit peu moins. Sachant que je peux quand même vous faire partager ma vision du marketing sur les réseaux, parce que c'est un petit peu le principe. Quand on est dans mon domaine d'activité, je crois qu'on est un petit peu assujetti à un gros a priori. À peine. Moi, je suis dans le domaine de la gestion de patrimoine. Oh, c'est quoi la gestion de patrimoine? Vous faites des placements, vous vendez des choses, on va perdre de l'argent, enfin voilà. Donc ça, c'est les a priori que l'on a. Et puisqu'il y a plein d'a priori, forcément, quand je me présente sur les réseaux sociaux, je ne dis absolument pas ce que je fais. Ça, c'est vachement mieux. Et on m'a fait remarquer, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, qu'on ne savait pas du tout ce que je faisais. Mais pas du tout, du tout. Donc il a fallu que je me réinvente un petit peu, que je réexplique quelle était ma démarche. Et que du coup, alors je tiens à préciser que la personne en question venait de Paris et me disait, mais à Paris, c'est vachement bien, gestionnaire de patrimoine. Alors, ce n'est pas encore descendu ici, mais on devrait pouvoir y arriver progressivement. C'est, oui, la route est longue depuis Paris, forcément. Parce qu'à Paris, tu n'as pas ton gestionnaire de patrimoine, tu as loupé ta vie. Mais il n'y a pas encore le TGV, mais on y travaille, tout ça, tout ça. Donc, pour revenir effectivement à notre problématique du marketing, je suis, moi, Catherine Tarapaki Pinto, déjà avec un nom à coucher dehors, obligée de faire de la pédagogie, de ne pas parler de moi, mais de parler de ce que j'aime, de les gens que j'aime, de nourrir en fait ce que moi j'appelle mon écosystème, partant du principe que si mon écosystème va bien, bah moi je vais bien. C'est un petit peu ma vision du marketing aujourd'hui sur les réseaux. Donc, alors je fais plus publication par jour, j'essaye des trucs aussi, hein, et puis j'ai des gens qui me conseillent quand même, parce que c'est mieux, mais j'essaye quand même d'être présente. Alors, être présent sur les réseaux et faire du marketing sur les réseaux, c'est parler de soi sans parler de soi, en fait, si je puis me permettre. C'est-à-dire de dire qu'on fait des choses bien, mais sans dire que c'est nous qui le faisons. Enfin bon, c'est une logique forcément un peu complexe, qui, je le pense, à titre personnel, doit être sans cesse renouvelée. Alors, il y a des gens parmi vous qui sont très forts, hein, sur les réseaux, qui font des super trucs.
suis fan de ce que fait Coralie d'ailleurs, parce que c'est vivant, parce que c'est sympathique, et elle ne parle pas d'elle. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je vois les choses. Si, mais tu parles des gens que tu embauches, tu parles de plein de choses. Mais du coup, quand on fait du marketing et quand on est sur la vente sur Internet, ben, il va falloir être plus malin. Ne pas faire justement ce que j'appelais tout à l'heure de la publicité ou de la vente sans consentement. C'est-à-dire qu'il va falloir petit à petit que les gens acceptent d'entendre parler de soi. Accepte de trouver intéressant les informations et peut-être qu'il n'y a pas de solution idéale, ni surtout, enfin ça en tout cas ce n'est que mon point de vue, de solution immédiate. Je tiens à préciser que le temps que l'on passe sur les réseaux sociaux n'est absolument pas du temps perdu, mais je pense qu'il faut du temps. C'est-à-dire que alors, sauf quand on arrive directement de Twitter avec 50 000 followers et qu'on se raccroche directement à LinkedIn, là, forcément, on génère énormément de contacts. Mais je pense que le temps, quelque chose de récurrent, quelque chose de régulier, et puis encore une fois, sans injonction verticale, est plus efficace qu'une publicité ou une information qui serait quelque chose de posé et mis à disposition comme une... Ben, je vais vous donner un exemple. Enfin, je vais vous donner mon exemple. J'ai une formidable société, parce que je l'aime et je l'adore, youpi, qui met à notre disposition du marketing tous les jours. C'est pour ça que... Non, mais ça... C'est-à-dire qu'on a à notre disposition une information à relayer. Alors, parce que je suis un bon petit soldat, j'ai pendant quelques temps relayé sur LinkedIn des informations. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, ça n'intéressait personne. Voilà, la succession, l'IFI, enfin tous les trucs dont tout le monde se fout, hein, ça concerne 3% de la population. Forcément, ça n'allait pas forcément intéresser grand monde. Par contre, quand je pousse des informations d'autres personnes qui ne sont pas du tout dans mon univers, quand je parle d'informations qui sont en lien avec des choses que j'aime, c'est-à-dire sauver les arbres et la forêt, les baleines et tout ça, sans faire quand même trop de Facebook, parce que sinon ça ne marche pas non plus, il y a une récurrence, il y a quelque chose de sympathique et de régulier. Alors, je n'ai pas bien évidemment la capacité marketing de Loïc, qui, quand il parle de son déménagement à 500 personnes qui trouvent ça génial, je ne suis pas encore tout à fait là-dessus. Mais comment relier justement cette volonté de se vendre et de faire du marketing sur LinkedIn? Bah, je vous dirais, à titre personnel, que du temps, certes de la régularité, et puis surtout faire du marketing peut-être que c'est un bien grand mot, peut-être qu'on met les choses un petit peu trop en hauteur et peut-être qu'on s'inquiète d'utiliser ce terme-là. Peut-être que tout simplement parler de soi, parler de ce qu'on aime, demander poliment l'autorisation de parler, c'est aussi pas mal aussi, de temps en temps, plutôt que de dire des choses et puis d'avoir peut-être la volonté d'aller commenter une information et d'être présent à tout craint. Mais pour être dans l'information que je suis en train de vous donner depuis tout à l'heure, j'ai quand même oublié de vous demander un truc. Est-ce que déjà vous, à titre personnel, vous utilisez... Alors je vais vous poser la question. Mais est-ce qu'il y a bien évidemment des enjeux différents? Si en tant qu'étudiant, on est présent pour voir un petit peu ce qui se passe, ou alors on parle de soi, mais est-ce que le fait justement de faire les choses de façon régulière, de faire du marketing quand on est tout petit, va permettre petit à petit d'apprendre à le faire, d'apprendre de ses erreurs, de faire autrement? Et je ne sais pas si je prends quelqu'un d'entre vous, si je prends peut-être une jeune femme, tiens, ça va. Ouais, mais si, c'est cadeau. C'est intéressant. Ça fait combien de temps que tu es sur LinkedIn? Est-ce que déjà tu es sur LinkedIn? Bien. 2 ans. Pas du tout actif. Bon. Donc c'est vrai que quand on parle effectivement de temps et de présence sur les réseaux, et puis surtout de faire du marketing sur les réseaux, peut-être que le temps effectivement fera son ouvrage. Et puis des fois on n'a tout simplement pas le temps ou pas la volonté. Mais c'est ça qui est un peu frustrant sur LinkedIn, c'est que quand on a du temps, on peut faire des choses, mais du coup, on se dit je ne suis pas actif ailleurs. Et quand on est actif et qu'on a plein de choses à faire, on n'a plus forcément le temps d'aller justement faire des choses intéressantes sur les réseaux sociaux. Donc, il va falloir apprendre à répartir les choses un peu différemment. Pour être bien dans les temps,
Est-ce que le maître de cérémonie trouve que... Bien, je demande, parce que là aussi je demande le feu vert, effectivement. Pour venir sur la partie, je dirais, vitale de ce marketing, on n'oublie pas que tout ce qu'on met sur les réseaux reste présent. Bon, on ne va pas, bien évidemment, à partir du principe que tout le monde fait attention à ce qu'il écrit. Mais j'avoue que sur ce principe d'avoir un écosystème en bonne santé et un partage régulier et récurrent, j'ai arrêté de faire du marketing depuis pas mal de temps maintenant. Parce qu'en fait, j'ai une structure, j'ai une activité qui, d'elle-même, fournit des informations et les met à disposition. Et que j'aurais tendance à croire que cette publicité récurrente et ce matraquage ne sert pas ma volonté d'avoir un réseau fluide, des interactions et aujourd'hui une présence sur les réseaux sociaux. Alors, je ne suis pas forcément je pense, à titre personnel, le meilleur interlocuteur pour parler du marketing. Je parle plutôt d'un ressenti. C'est-à-dire que je ne vais pas relayer des publicités. Je suis vraiment dans les gens. C'est-à-dire, qu'est-ce que cette personne fait? Pourquoi elle le fait? Comment? Et cette présence récurrente et surtout cette régularité me permet tout simplement d'avoir une ligne, un petit peu, une ligne éditoriale, si je puis me permettre, qui va faire que... quand je vais parler, quand je vais rencontrer des interlocuteurs, je l'espère en tout cas, ça va conserver cette fluidité et sans parler de publicité vraiment, de faire une information, comment je pourrais dire, orientée et effectivement, mais toujours. Comment dire, qui soit en lien avec ce que j'ai déjà communiqué en amont. Voilà. Donc, pour revenir et pour conclure sur le simple fait d'être présent aujourd'hui, on a envie aujourd'hui de peut-être utiliser moins des termes techniques, marketing, réseau, enfin, outbound. Tu parlais de quoi tout à l'heure? Inbound. Enfin, on est un petit peu comme Monsieur Jourdain, si je puis me permettre de conclure là-dessus. C'est-à-dire qu'on fait tous du marketing de réseau, on communique, on parle de soi. Et j'espère qu'en tout cas qu'aujourd'hui, on va pouvoir d'autant plus faire du marketing qu'on va peut-être enlever tout cet aspect un peu trop franglais, je ne sais plus comment on dit à l'heure actuelle, pour pouvoir faire quelque chose de concret et pour aller dans le sens de Annick et de mes interlocuteurs à venir, surtout quelque chose qui va durer, parce que c'est le principe. C'est de lancer quelque chose et de faire en sorte qu'on soit encore là demain pour en parler. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on l'applaudit bien fort. Merci. Merci, Catherine. Mais je t'en prie. Tu peux aller te rasseoir. Je voulais te donner le petit micro. Non, c'est pas à moi que tu le donnes, le micro. Moi, j'en ai un deuxième. C'est entre vous que vous le donnez. D'accord. Au fur et à mesure, tu l'enlèves, par contre, de là où tu l'as. C'est mieux pour le donner aux autres. Oui. Merci beaucoup. Alors, juste un petit élément de logistique dans la salle. Si vous avez, à un moment donné, vraiment envie de poser une question très importante ou de réagir en donnant votre propre point de vue, vous attendez 2 secondes que je vous passe le micro. D'accord, hein? Voilà. Et si vous-même, vous voulez absolument invectiver la salle, ce qui n'est pas prévu, mais... On leur donne le micro, d'accord? Voilà, c'est ça le principe. Et moi, je regarde comme ça, ou là, je ne sais plus où je suis d'ailleurs. On y va. Voilà. On passe à notre table ronde. Et je vais vous poser à chacun, d'ailleurs, il y en a un quand même. Hein. C'est intéressant quand on est plus de femmes que d'hommes, d'ailleurs, au Social Selling Forum. Ce n'est pas toujours le cas. Ça n'a pas été le cas à Cholet, mais ça a été le cas notamment au Social Selling Forum Amazon, qui était 100% animé par des femmes l'an dernier en ligne. Alors... comment t'appelles-tu de nouveau ? Carole. Carole. Je vais commencer par toi, Carole. Carole, bonne main. Quel est le rôle concret du marketing pour un social selling réussi, hein, pour que vraiment on puisse... je vous rappelle que le social selling, c'est l'art et la manière d'utiliser les réseaux sociaux pour vendre, pour se vendre. Hein. C'est ça ma définition et je l'aime bien. Donc, quel est le rôle concret du marketing d'après toi ? Alors que ce soit d'ailleurs un marketing dans une grande moyenne entreprise ou soi-même qu'on ait les deux casquettes, hein, je le répète.
Donc moi, je ne suis absolument pas d'accord avec ta définition. Déjà, pour commencer, pour moi, le marketing est l'art de la séduction, l'art de donner envie d'eux. Il y a des commerciaux, il y a le service commercial, c'est lui qui est chargé de la vente, du closing, de la finalité. Mais le marketing, pour moi, est l'amorce et la stratégie qui va donner envie d'eux. Envie d'acheter, envie d'adhérer, envie de suivre la marque, envie de quelque chose. Pour moi, c'est ça. La communication tourne les projecteurs, le marketing donne l'envie d'eux et le commercial conclut la vente. Donc voilà mon approche. Ah ben c'est bien parce qu'on n'est pas d'accord dès le début, donc c'est parfait. On va continuer. Donc, Catherine, donne-nous ton point de vue sur le rôle concret du marketing dans une entreprise comme l'UFF, par exemple, pour aider les dirigeants et les commerciaux à vendre ou pas. Ben, je dirais que, pour reprendre les éléments que vous venez de donner chacun d'entre vous, y a la combinaison des deux ne me paraîtrait pas inintéressante, pour la simple et bonne raison que dans mon domaine d'activité, c'est les mêmes personnes qui vont faire la démarche, qui vont faire le relationnel et qui vont faire la conclusion. Donc forcément, quand on est sur les trois terrains en même temps, on va être obligé de faire à la fois le relationnel, à la fois la communication et en même temps le closing. Donc forcément, ça nécessite une bah voilà, c'est effectivement le principe de la triple casquette. Et pour être au service de la vente, puisque c'est ça qui est important, c'est le terme effectivement qu'on veut utiliser aussi. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, parce que les vendeurs, ils sont contents d'avoir quelque chose à leur service pour une fois. Non, ça c'est du perso. Mais c'est vrai que d'être au service du vendeur, peut-être, il y a un certain nombre de fois, c'est peut-être mon point de vue, une relation un peu plus transverse entre le marketing et la vente, ce serait quelque chose de bien intéressant. Qui aurait du sens. Ben, oui, et quand ça a du sens, on est meilleur. Ben, voilà, c'est ça, tout à fait. Bon. Merci. Alors n'oubliez pas de vous passer le micro hein, au fur et à mesure. Pierre. Bien. Alors, mets-le un peu plus haut. Ouais, j'ai, comme... bon, j'ai passé, comme je l'ai dit tout à l'heure, en prestation près de 25 ans dans une grande entreprise française où il y avait effectivement un service commercial et un service marketing. Je vais vous parler de moi maintenant, en tout cas de ma petite entreprise qui se crée. Moi, je suis ici et je ne sais pas si en ce moment je suis en train de faire du marketing ou si je suis en train de faire de la vente. Je ne sais pas. Voilà. Alors, pour une petite structure comme la mienne, c'est facile à dire. Et donc je ne vois aujourd'hui dans mon activité, je vois aucune différence entre le marketing et la vente parce que je suis là devant vous, pour vous, avec la forte envie bah, de me montrer, de savoir qui que vous sachiez qui je suis et de vous vendre quelque chose. Parce que faut pas se leurrer, je ne suis pas là que pour montrer mes beaux yeux, si tout est qu'il soit beau. Voilà, mais c'est aussi de vendre quelque chose. Donc autant je peux partager ton opinion sur un grand groupe, mais je crois aussi que les grands groupes les grands groupes de demain ne peuvent pas se prévaloir de garder la même organisation d'hier pour pouvoir continuer demain. Voilà. Merci Pierre. Linda. Linda, oui, Linda. Eh bien, en fait, moi, j'aurais envie de dire également qu'en tant que toute petite entreprise, Elle de Change, c'est Linda Longeau. Linda Longeau, c'est Elle de Change. Donc, je pense, en ce qui me concerne, que le marketing, c'est plutôt la porte d'entrée pour arriver, en effet, à connaître qui est la personne derrière l'entreprise et qui est l'entreprise derrière la personne, qu'est-ce que je fais. Et comme en plus je travaille dans un métier qui est parfois très flou ou parfois très abstrait, parce que quand je dis accompagnement ou changement, on me dit voilà, en même temps ça parle à tout le monde, mais ça parle à personne. Et j'ai besoin pour pouvoir en tout cas capter de futures ventes, déjà me faire connaître et faire connaître de façon très pragmatique, très concrète ce que je fais et ce que ça peut apporter. Donc j'ai envie de dire que le marketing, pour moi, c'est plutôt la porte d'entrée pour me faire connaître pour la vente demain. Voilà. Annick, super. Annick. Oui, Annick. moi, de par mon métier, donc, qui est vraiment axé sur la communication et même l'identité de marque de plus en plus, je constate que le mot marketing évoque immédiatement la marque et se démarquer permet de se faire remarquer. Donc c'est une question, le marketing, de différenciation. Qu'est-ce qui fait qu'on fait notre métier à notre manière? Personne d'entre nous n'a un métier unique à part le pape et quelques présidents de la République.
voilà, on a tous beaucoup de concurrents. et pourtant, on va prendre autant de communicants, autant d'accompagnateurs de changement, autant de coachs, autant de gestionnaires de patrimoine. Chacun fera son métier à sa façon. L'idée, c'est de montrer qui on est, donc déjà de connaître qui on est, de montrer qui l'on est pour obtenir l'adhésion, comme tu disais tout à l'heure, Carole, de gens qui nous ressemblent, avec qui on aura du plaisir à travailler et qu'on pourra servir de manière optimale. Voilà ce que je pense. Stéphanie. Waouh, difficile de conclure. Non, en fait, c'est ça. Le service marketing et le service commercial dans les grandes entreprises ne peuvent pas être divisés, en fait, puisque le commercial a besoin des outils marketing, mais le marketing a besoin des retours terrain du service commercial. Et encore plus quand on est indépendant ou quand on est une petite structure, le marketing et le commerce sont vraiment très liés, puisque ça peut être une seule et même personne. Personnellement, je suis ma propre marque, donc je me vends moi. Je me vends, si on adhère à moi, à ma personnalité, on adhère à mes services. Donc voilà, c'est toujours le fait de travailler marketing, commerce ensemble et jamais de voir la différence entre les deux, pour moi. Et je pense qu'on a fait Quelqu'un veut rajouter quelque chose par rapport à cette première question? Allez-y. Je voulais juste faire un petit lien, parce que c'est important, concernant les grands groupes justement dont tu parlais. Je pense que le réseau, c'est justement une chance de pouvoir se différencier. Les grands groupes font beaucoup de communication aujourd'hui, et c'est vrai que le fait d'être sur les réseaux, ça permet de se différencier, enfin, de garder effectivement l'image de la société, et de, comme tu l'évoquais très justement, d'être l'utilisateur de cette marque, et de pouvoir effectivement soi-même être autonome et surtout se différencier de la marque, se distinguer effectivement au préalable. Voilà ce que je veux dire. Merci. Alors, moi, j'ai un avis sur la question aussi, mais je crois que je ne vais pas le donner pour l'instant. On va attendre la fin de cette session. Je ferai comme vous, là, on posera des questions, on interagira. Préparez vos réactions ou vos questions. Mais, d'abord, j'ai posé la deuxième question. Comment est-ce que votre côté marketing, hein, ou votre marketing, si vous êtes dans une entreprise, peut et va aider les dirigeants, très concrètement, les dirigeants qui, comme on le sait, doivent être les premiers social sellers, n'est-ce pas ? Et les futurs ou les social sellers, comme Catherine, par exemple, chez UFF, comment on va les aider, effectivement, à développer leur image de marque personnelle, qui est celle qui permet ensuite d'être présent, d'être connu d'avance, et y compris de devenir réellement un vrai ambassadeur de la marque, hein, par la suite. Comment est-ce que le marketing peut, doit aider donc les dirigeants et les commerciaux, on va dire spécifiquement ? Donc moi, je suis axée plutôt sur l'analyse des données, sur la data. Je ne suis pas sur le fictif, je suis toujours sur le concret. Donc je fais de la captation de toutes les informations possibles. Pour ne prendre comme exemple que LinkedIn, par exemple, je capte tous les fichiers que mon réseau constitue de données, que ce soit leurs coordonnées, que ce soit les discussions avec mon réseau sur le fil d'actualité ou en messagerie privée. Et là, j'analyse les mots-clés, j'analyse les sujets, j'analyse les périodicités d'échange. Et toute cette data me permet d'établir le persona des cibles en fait prioritaires sur LinkedIn pour arriver à avoir une stratégie justement de marketing aboutie, réfléchie et surtout réaliste et pas fictive que je ferai évoluer. Et c'est ça que je partage au sein de mon entreprise MBC Solutions, où j'applique avec mes équipes afin de créer des ambassadeurs de ma marque en captant par la donnée les clients potentiels. Donc voilà. Toi, tu fais de l'intelligence marketing et commerciale au départ et de la stratégie marketing. Donc tu n'es pas au niveau du marketing, on va dire, opérationnel qui va aider les commerciaux. Très bien, merci. Très opérationnel, basé d'accord, sur la d'accord. donnée. Ok, via la donnée, très bien. Voilà. On en parlera cet après-midi, encore une fois, dans un atelier sur le CRM et les data. On continue, Catherine. Le teasing que vous faites, c'est un truc de dingue. Pour la partie... alors, encore une fois, je ne donne que mon exemple. Alors, c'est une grosse structure, hein, on est 1500 aujourd'hui en termes de collaborateurs au sein de la société. Je crois qu'il doit y avoir 20% des collaborateurs qui sont présents sur les réseaux. Et pourtant, Dieu sait qu'on a des outils. On a effectivement, comme tu le demandais tout à l'heure, quel est l'outil qu'on met à notre disposition ? Alors, c'est souvent l'actualité, la jurisprudence, enfin des choses très très techniques, parce qu'on est dans un domaine professionnel volontairement technique, avec beaucoup de réglementations, et c'est une volonté aujourd'hui de notre société de faire de la sorte. D'utiliser les réseaux pour faire de la pédagogie. Est-ce que maintenant on est trop dans le technique ? Ça, l'histoire nous le dira, mais en tout cas, il y a une volonté de faire de la pédagogie avant de faire du commerce. Ça, c'est notre mode de fonctionnement aujourd'hui.
Donc c'est comme ça que le marketing aide les dirigeants à être présents et à développer leur image de marque. Est-ce qu'aujourd'hui, les dirigeants du FF, ils ont une véritable image de marque présente sur les réseaux sociaux? Ils s'expriment comme un Michel-Édouard Leclerc et autres? Oui, alors nous, on est beaucoup dans le recrutement. C'est un petit peu la volonté aujourd'hui de la société. Donc il y a beaucoup de communication autour de maintenant, manque de temps, manque d'usage. Les dirigeants eux-mêmes de l'UFF n'ont pas forcément l'habitude d'être présents sur les réseaux. D'où moi ma question de les aider à l'être, justement, puisque tout le monde dit que c'est important que les dirigeants montrent l'exemple, d'ailleurs, pour les commerciaux et les autres collaborateurs, y compris les comptables, les contrôleurs de gestion et autres qui peuvent s'exprimer sur les réseaux sociaux, mais également, je dirais, soit la tête de proue, de l'entreprise sur les réseaux sociaux. Et je pense que le marketing a un rôle, justement, pour... y compris en faisant, pourquoi pas, du ghostwriting, comme l'aurait exprimé Philippe Deliès, qui malheureusement n'a pas pu venir de Bruxelles. Hein. Mm-hmm. Voilà. Hein? Oui, non? Non, si. Sinon, si, oui. Si, t'as raison. Dans le sens où la direction, tout là-haut, dans les sphères, dans les limbes de la direction, il y a une volonté aujourd'hui de communiquer, notamment sur les fusions, toutes les acquisitions qui ont été faites sur les derniers mois et les dernières années. C'est la direction générale. Là, ça, c'est un peu orienté vers vous, quoi. C'est pas tellement orienté vers les clients et tout ça. Hein. Il y a quand même une volonté d'expliquer qu'on n'est plus Londres, on est français, et ça, d'accord, c'est un travail de fond. Ouais. Effectivement, un peu auto-centré, quoi. Mais du temps. Oui, ça, c'est clair. Maintenant. Ok. Pierre, quel est ton point de vue? Mon point de vue. Il y a 3 ans, j'ai écrit une thèse sur les réseaux sociaux, et le sujet de la thèse était, je voulais savoir, en pleine période de Gilets jaunes, s'il y avait vraiment une scission entre le consommateur urbain et le consommateur rural dans l'utilisation des réseaux sociaux. Et en fait, ça a dérivé, et ça en est arrivé à un moment où, en fait, il n'y a pas eu toute de scission entre le rural et l'urbain. La scission, elle est générationnelle. Voilà. Et donc, je vais rejoindre ce que tu disais. Et en fait, y a une vraie... Alors, on ne peut pas parler de rejet. Enfin, sur certaines catégories de personnes, il y a un vrai rejet des réseaux sociaux. C'est chez les plus de 45 ans, et c'est surtout chez les hommes. Voilà. Et donc, on rejoint un peu ce que disait Catherine. C'est que, comme quand on regarde aujourd'hui le tissu de nos dirigeants en France, on s'aperçoit quand même que cette caste des hommes dont je fais partie, de plus de 45 ans, elle est fortement représentée dans tous les boards. Et donc, quand on associe ce rejet que j'avais trouvé dans les différents questionnaires que j'avais menés, avec le fait qu'on souhaiterait qu'ils soient plus présents pour pouvoir... être ambassadeur de la marque, bah en fait, ils ne le sont pas parce qu'ils rejettent les réseaux sociaux. Et donc, la nouvelle génération devrait faire en sorte qu'on puisse voir apparaître dans beaucoup plus d'entreprises des Michel-Édouard Leclerc qui seraient les vrais ambassadeurs de leur marque. Voilà. Bon, ce n'est pas simplement une question de génération, c'est une question d'état d'esprit. Moi, j'ai 66 ans quand même. Hein, je suis un old white male, okay boomer. J'en ai 50 voilà. Et je ne rejette pas du tout non plus. Ah bah voilà. Donc, et je pense qu'il y a des jeunes de 25 ans aujourd'hui qui ne sont absolument que des consommateurs poissons rouges de TikTok, d'Instagram et compagnie, et qui sont absolument incapables aujourd'hui de s'exprimer sur LinkedIn pour développer leur business ou développer le business de l'entreprise. Hein. Et ça, j'en suis de plus en plus. Là, d'ailleurs, la preuve, c'est qu'en général, des étudiants au Social Selling Forum ou des jeunes comme ça, on en voit très peu, sauf s'ils sont forcés à venir. Vous voyez ? Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, bien sûr, ils ne sont pas forcés. On leur a dit venez. Voilà, hein, n'est-ce pas ? Vous êtes là, d'ailleurs, tiens, je vous montre. Il y en a là, des étudiants. Voilà, regarde, je les montre, là. Regardez, ils rigolent, ils ne se montrent pas, vous voyez ? Donc, voilà, il y aura une interrogation écrite. Hein. Alors, on continue. Okay. Je t'en prie. De mon côté, je trouve que l'utilisation, en tout cas, que font les dirigeants aujourd'hui, notamment de LinkedIn, en termes de marketing, elle est très variable. Et j'ai envie de dire, à mon point de vue, mais ça n'est que mon point de vue, et je ne suis pas une pro du sujet, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, c'est de plus en plus utilisé par les petites entreprises, PME, en TPE évidemment beaucoup, mais aussi PME. Et justement, je pense qu'il y a un virage qui est en train d'être pris et qui est assez, assez marqué. Et là, je n'ai pas l'impression que ce soit homme-femme, même si en effet, c'est assez concret. Et je pense que c'est de plus en plus, en tout cas, encouragé, et tant mieux. Parce que justement, ça donne à voir, en effet, qui est derrière cette petite entreprise et ça donne justement ce côté humain.
Ensuite, il y a des communications qui sont faites plus sur des grands groupes, où là, en effet, on a quelques dirigeants connus qui parlent sur les réseaux sociaux, où là, on a une communication qui est peut-être un peu plus corporate et peut-être un peu plus déshumanisée. Voilà, aujourd'hui, c'est mon ressenti. Ce n'est pas le cas d'ailleurs de Michel-Édouard Leclerc, pour prendre encore une fois cet exemple, qui justement n'est pas corporate, déshumanisé, etc., et qui prend des positions et qui se met à quelquefois en danger d'une certaine manière, entre guillemets. Et c'est ce qui marche d'ailleurs d'être clivant. Merci, Annie. Oups, voilà. Concernant la présence des clients que j'accompagne en fait sur les réseaux sociaux pour mettre en avant leur marque et vendre leurs prestations, en fait, on intervient. Enfin, je note trois plans d'intervention différents. Il y a le plan que tout le monde voit concrètement, les actions qu'ils mettent en place, donc leur branding, leurs outils de communication, leur calendrier éditorial, leur tonalité éditoriale, la fréquence de publication, patin coup fin, tout ce qu'on voit. Il y a la strate au-dessus qui est, on va dire, la strate de conscience, de stratégie, où on va en fait se poser la question de qu'est-ce qu'on fait, pour qui on le fait. Où est-ce qu'on est présent, parce que on n'est pas obligé d'être partout, c'est un choix, et c'est un choix qui s'appuie sur des données, qui s'appuie sur l'analyse de où est notre cœur de cible. Moi j'appelle ça nos clients de cœur, parce que voilà, c'est ma terminologie, mais c'est vraiment ça, parce que je mets du cœur dans tout ce que je fais, mes clients aussi d'ailleurs. Et il y a la strate juste au-dessus, et ça c'est ma personal magic touch, c'est de mettre de l'intuition, de la spiritualité, de la conscience, de l'unicité. C'est vraiment aller chercher au cœur de la personne qui elle est, qu'est-ce qu'elle a envie de mettre en avant, qu'est-ce qu'elle a envie de faire, sa mission de vie, comme tu disais tout à l'heure, mais pas que de vie, sa mission d'être, en fait, tout simplement. Et c'est cet être-là qui va animer la stratégie et qui va animer la présence sociale. Ce sera d'ailleurs ma dernière question sur la posture du dirigeant ou du social seller en général. Eh bien, du coup, je vais faire le lien, je pense, parce que ce que je voulais dire, c'était qu'en fait, les dirigeants sont là pour, certes, montrer l'exemple. Il y a eu ce mot qui a été dit tout à l'heure, mais il est surtout là pour créer du lien, en fait, avec les équipes et les clients potentiels. C'est-à-dire que le marketing va lui donner tous les outils du branding, l'identité visuelle, les terminologies pour créer une identité forte de la marque qui va être reconnaissable dans tous les postes que, certes, le dirigeant va faire, mais aussi après les services commerciaux, mais aussi les autres services de l'entreprise. Mais surtout, le dirigeant va être là pour créer la communauté à l'intérieur de l'entreprise et faire confiance aux personnes qui vont publier après sur les réseaux sociaux. Chacun peut être l'ambassadeur de la marque. Il y a le dirigeant, mais il y a aussi toutes les strates en dessous. Et il ne faut pas les oublier, puisqu'après, les clients seront les ambassadeurs de cette marque. D'où le fait d'avoir cette confiance, de donner les outils d'identité visuelle, de terminologie, mais après de laisser confiance sur les réseaux sociaux pour garder ce côté humain. Les réseaux sociaux, ce ne sont pas là pour déshumaniser. Bien au contraire, c'est là pour créer des communautés. Oui, et alors surtout pour que les commerciaux et les autres employés ne deviennent pas des hommes sandwich de la marque en question. Et c'est le problème souvent quand il y a une charte corporate qui a été édictée par le marketing ou la com, et que derrière, dès qu'un commercial commence à vouloir prendre une photo d'un camion de location avec des plaques un peu sales, on va le tenser vertement. Et derrière, vous savez ce qu'il fera ce commerciaux ? À l'avenir, plus rien du tout. Ce commercial, plus rien du tout. Donc attention à ce qu'on appelle les programmes ambassadeurs, parce que dans 90% des cas dans les grandes entreprises, ça ne marche absolument pas, parce que c'est orienté vers « Oh, je veux avoir des ambassadeurs de ma marque et je veux que ma marque soit représentée de la bonne manière avec les bons codes de communication, etc. » Et donc j'enlève complètement la capacité aux dirigeants, certes, mais surtout aux commerciaux ou autres, d'exister réellement et de développer leur image de marque personnelle qui est ce qui fait vendre, à mon avis. Voilà, je voulais juste rajouter ça parce que, comme ce n'est pas une question spécifique aujourd'hui, il faut quand même que vous imaginiez ça. Si vous êtes un jour dans une grande entreprise, ne démarrez pas des programmes ambassadeurs bêtement. Alors, dernière question et après je passerai la parole à la salle quand même. quelle posture on fait adopter à un dirigeant lorsqu'on est au marketing ou à la com et qu'on veut l'aider, ou quelle posture un dirigeant, comme vous l'êtes d'ailleurs, pour certains d'entre vous, peut-elle, une dirigeante, adopter sur les réseaux sociaux? Quelle est la bonne posture? On va aller dans ce sens-là maintenant. Vas-y, commence, puisque tu as le micro. La posture du dirigeant sur les réseaux sociaux... Ou du social seller, hein, ou du vendeur, hein, comme tu veux. Ça va être vraiment d'être l'image de sa marque par rapport aux petites entreprises. Voilà, on reprend le thème, par exemple, moi je suis auto-entrepreneur, je suis à mon compte. Je suis ma propre marque et je suis ma propre identité. C'est-à-dire que si vous adhérez à moi, vous adhérez à mon produit.
Et c'est un peu le rôle que les dirigeants doivent avoir. En fait, ils doivent vraiment être adhérés à leur marque, adhérés à leurs produits, à leurs services, pour pouvoir après derrière faire adhérer leurs équipes ou leurs potentiels clients. C'est vraiment le rôle de fédérateur pour moi. Pour le dirigeant, d'accord. Et pour le commercial lui-même, ce serait pareil, quoi la posture ? C'est de fédérer autour de lui et autour de ses... Alors c'est marrant parce que tu dis fédérer autour de la marque, autour de l'image de marque de l'entreprise. Et moi je dis, le commercial, il doit aider les clients, ses clients préférés, les clients préférés à progresser dans leur parcours d'apprentissage. Et ne pas s'occuper justement de la marque, ne pas s'occuper de pousser la marque de l'entreprise, etc. Il doit plutôt être au service des clients, au service des prospects, au service de son écosystème pour faire en sorte qu'eux progressent. Et de ce fait, l'écosystème, les clients vont avoir envie de s'adresser à lui et de s'adresser à la marque. Pour moi, c'est dans ce sens-là. Est-ce que tu es d'accord avec oui, ça en fait, c'est fédérer autour des mêmes valeurs. Oui, valeurs, d'accord. La marque, c'est vraiment les valeurs que l'on a partagées tous ensemble. Ok. Annick. Oui, concernant la posture, je pense qu'on doit avant tout être intentionnel dans ce qu'on fait, dans ce qu'on publie, dans ce qu'on met en place stratégiquement, dans nos actions comme dans nos plans. Je pense qu'il faut être intentionnel, savoir où on va et pourquoi on veut faire les choses. Je crois que le pourquoi, en deux mots, le pourquoi est plus que jamais primordial pour pas ajouter du bruit au bruit. Hein, on n'est pas dans la présence pure à tout craint. On est dans l'utilité. Alors, je sais que tu aimes le mot frugal, et ça prend tout son sens, c'est-à-dire faire vraiment de l'utile, du concentré, de l'essentiel. Autre chose, effectivement, je pense que, en tant que... Alors, je repars encore de mes clients, parce qu'on est sur ça va de l'auto-entrepreneur jusqu'à la TPE, PME. L'idée, c'est vraiment de se poser la question de en quoi je peux servir mes clients le mieux possible. Servir, ça peut vouloir dire vendre aussi. Hein. Il ne s'agit pas d'offrir des bounties à tout le monde. Il s'agit de servir utilement. Donc, ça veut dire connaître le besoin de mon client et savoir ce que je mets en place pour y répondre. Se mettre au service inconditionnel de ses clients, leur faire confiance a priori également, comme on avait parlé de la confiance tout à l'heure, et pas simplement de ses clients, et pas simplement de ses clients, de son écosystème tout entier qui inclut les fournisseurs, les collaborateurs, les confrères, les pairs, hein, etc. Oui, et là, tu soulèves la notion de cohérence qui est effectivement le fil conducteur qu'on doit tous avoir dans nos vies professionnelles, personnelles. Tout ça, ça doit être un même mouvement pour atteindre le flow. Alors moi, je vais parler en tant que dirigeante parce que je n'accompagne pas les dirigeants à développer leur marketing ou leur image, mais je vais plutôt parler de moi et de ce que je peux faire aujourd'hui sur les réseaux en termes de posture. Moi, il y a un mot qui me vient, c'est le mot authenticité. Et je fais bien cette distinction entre donner à voir de soi en termes de valeur, en termes de... d'intention versus donner à voir de soi et ouvrir un peu la porte de choses très personnelles et voilà. Donc il n'y a pas besoin en effet en ce qui me concerne, je n'ai pas besoin de publier des choses qui pourraient être très très personnelles, mais par contre je vais vraiment faire en sorte que tout ce que je publie sont des choses auxquelles je crois. Et ce sont des choses pour lesquelles je lutte, je me bats au quotidien parce que j'y crois fortement. Et ça, c'est donner à voir de moi tout en restant quand même dans un domaine professionnel. Et puis, c'est cette posture qui aussi oscille régulièrement entre donner le ton juste, ni trop ni trop peu. J'aime beaucoup cette histoire de frugalité. En tout cas, voilà, moi, j'ai besoin de ça parce que c'est au plus proche de moi aussi. Voilà. J'espère qu'il y a en plus une congruence entre la manière dont tu apparais sur LinkedIn, par exemple, et sur TikTok ou sur Instagram. Parce que tu n'es pas trois personnes différentes selon qu'on te rencontre aujourd'hui ici sur Instagram et sur LinkedIn. Hein. Oui, alors, ça aussi, l'authenticité. Personnellement, je ne suis pas sur TikTok. Okay. Voilà, donc, tu ne me trouveras pas sur TikTok. Dommage. Mais tu peux me trouver sur, sur Instagram et sur LinkedIn. Et c'est déjà pas mal. Voilà. Ok. Pierre ? Moi, je vais reprendre le terme qu'utilisait il y a quelques secondes Annick sur la cohérence. Parce que tu as un dirigeant, lorsqu'il prend la parole sur les réseaux sociaux, on pense tout de suite qu'il prend la parole auprès de ses clients. J'ai l'impression qu'il prend surtout de la parole auprès de ses collaborateurs. Voilà. C'est vraiment... il a une vocation de guide, en fait. Et puis, parce qu'en fait, il est surtout épié. D'ailleurs, quand on voit une publication d'un dirigeant,
on s'aperçoit qui est-ce qui like ces publications, c'est rarement les clients, c'est souvent ses collaborateurs, avec un effet de mimétisme et ainsi de suite. Et aussi parce qu'il y a la com qui leur dit, il faut que vous soyez actifs sur les réseaux sociaux, likez ce que le président a écrit. Hein. Effectivement, mais non, lorsque j'étais encore salarié de cette grande entreprise, lorsqu'un des deux dirigeants prenait la parole via un poste, on regardait tout ce qu'il avait écrit. On voulait savoir si ce qu'il nous disait, ce qu'il disait à l'ensemble de la France, correspondait à la lettre, à la vie réelle. Et donc voilà. Et donc la difficulté pour les dirigeants, c'est cohérence, congruence, diraient certains. Voilà. Entre ce qui se vit à l'intérieur et ce qui se dit à l'extérieur. Et c'est très important d'ailleurs pour la marque employeur dont on reparlera dans la journée. Merci Pierre. Catherine. Oui. Voilà, moi je suis le vilain petit canard de service. Enfin, je suis le salarié qui pousse les informations de la part de la direction, parce que c'est vachement... Je pense que tu as un léger a priori. Non, moi je travaillais chez IBM, ça se passait très bien chez IBM. Oui, mais c'était en France. Non. C'est pas IBM. Non, c'est une société. Je vais faire une petite parenthèse. On parlait tout à l'heure, d'une publication fréquente et active hein, sur les réseaux sociaux d'un dirigeant de grande et moyenne surface, si je ne m'abuse. Nous ne citerons pas son nom, parce qu'il n'est pas sponsor. Michel-Édouard Leclerc, t'es sûr qu'il n'est pas sponsor? Il a aidé à faire le forum de Paris à l'ESCP Europe, quand même, il y a quelques années. Donc merci Michel-Édouard. Hein. Et je l'ai connu grâce aux réseaux sociaux, et c'est grâce à ça qu'il a fait ça. Mais Michel-Édouard, il a du temps, il a des gens, il a des bras. Il a tout ce qu'il faut, à mon avis, pour être hyper efficace et pour économiser plein d'argent en com et en publicité et autres par ailleurs, hein, grâce à ça. Merci Michel, si tu nous entends. Voilà. Il est sponsor. En tout cas, il est aimé. Je vais te rejoindre sur un point, mais pas que, sur la partie, effectivement, direction, verticalité, information, il faut pousser, vous êtes les collaborateurs, allez-y, enfin bon. J'ai peut-être la chance, je pense, de faire partie d'une société qui ne nous oblige en rien, qui ne nous dit pas, vous avez des trucs qui sont... Il y a à notre disposition, on peut le faire, je parlais de réglementation, des trucs vraiment pas drôles, mais on est obligé d'être là-dedans. Mais si on veut, on a le droit de parler d'autres sociétés, on a le droit, et même voire même la volonté. Je parlais d'écosystème tout à l'heure, et c'est vraiment important. Si tout l'univers de la banque et de la gestion de patrimoine va bien, il y a de grandes chances que je m'en sorte plutôt pas mal. Et pour parler de la posture du dirigeant, on a aujourd'hui une volonté, enfin en tout cas c'est comme ça que je le vois, de sociétés qui parlent d'autres sociétés, qui parlent de réussite, qui parlent d'autres activités pour dire, regardez, ça se passe super bien chez eux, allez, on peut aussi parler de nous, mais il y a vraiment une volonté aujourd'hui peut-être de moins parler de soi, mais sur le principe du troisième homme, de dire, regardez, ça va bien là-bas, et peut-être que ça va aussi, il y aura un retour. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Oui, merci. Donc je rejoins mes collègues du coup sur la posture d'auto-entrepreneur, de freelance. C'est exactement la position que j'avais moi en tant que dirigeante avec ce statut-là. J'étais mon commercial, j'étais mon marketeur, j'étais mon comptable. Donc oui, j'avais cette posture. Il est vrai que maintenant que je suis en société avec des salariés, je deviens en fait la personne de l'ombre. Et maintenant, c'est moi qui forme et qui informe mes équipes. C'est moi qui, en fait, je choisirais moi le mot « impulser ». C'est moi qui deviens celui qui impulse la dynamique, la stratégie, qui leur donne envie d'eux, qui donne ses valeurs, qui les transmet. Mais finalement, ce sont mes équipes, toutes confondues, hein, comme marketing ou commercial, je te rejoins, qui donnent vraiment le cœur de l'activité, qui vont vraiment donner la couleur, la différenciation et le pourquoi on va nous faire travailler plutôt que le voisin. Donc finalement, je deviens voilà, cette personne, cette entité de l'ombre qui ne sert quasiment plus qu'à faire la comptabilité. Oh, tu as quand même montré l'exemple. Tu continues à montrer l'exemple néanmoins. Je suis partie de mon socle de freelance, d'indépendant, où pour moi LinkedIn, c'est mon CRM, donc j'ai 12 500 contacts de qualité, pas du tout venant. J'exploite énormément LinkedIn, j'ai fait partie des 1% les plus vus sur la planète pendant quelques temps. Et c'est donc, voilà, petite victoire, petite fierté. Et c'est donc ce vivier-là qui m'a servi à passer en société et qui me sert maintenant à aider et accompagner mes équipes pour être des meilleures personnes sur les réseaux sociaux dans leur stratégie. Voilà. Eh bien, merci. Alors, maintenant, je vais passer la parole à la salle. Je me lève, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a dans la salle, ici, voilà. Non, regardez le micro pour l'instant. Est-ce qu'il y a une question, une réflexion pour nos amis sur l'un des thèmes qu'on vient d'évoquer? Vous pouvez même parler d'autre chose, si vous voulez. Hein, allez-y, voilà.
Merci. Bonjour, je suis Marie-Isabelle Duvernois. Je suis consultante moi-même et j'accompagne les entreprises dans leur développement économique au sein de leur écosystème. Donc, lorsque vous avez parlé des commerciaux qui se faisaient tacler, si je peux employer le mot, sur, voilà, lorsqu'ils postaient une photo ou une réflexion qui n'était pas en relation avec l'image que l'on veut transporter de la marque, de l'entreprise. Alors, ça me fait réagir positif et négatif. Je commençais par le négatif. Je comprends un chef d'entreprise ou une équipe qui a mis en place une communication, tout un storytelling pour que la marque, vous parliez d'Edouard Leclerc, je pense que quand il prend la parole est toujours mesurée parce qu'il sait que derrière, il va se faire tacler, il va se faire démonter. Et tous les mots, tout ce qu'il va mettre en avant vont être mûrement réfléchis, mûrement étudiés, mûrement répétés. C'est un super comédien. Moi, vraiment, c'est un personnage, un chef d'entreprise qui a beaucoup de charisme et qui sait très bien défendre sa marque. De notre côté, je pense que le commercial, les personnes dans les entreprises doivent effectivement parler de leur entreprise, de leur marque. Toutes les générations et surtout les jeunes savent utiliser les réseaux sociaux et à une époque, je pense qu'on peut les former de telle sorte qu'ils peuvent transformer de l'information qui peut aller, qui peut être très valorisante. Par contre, effectivement, il faut guider, il faut former. Il ne faut pas tout non plus mélanger parce que les interprétations peuvent avoir des conséquences importantes sur un client qui traîne dans les réseaux, etc., sur un marché qu'on vient de développer et qui est sensible. Et ça a des conséquences qui peuvent être plutôt pernicieuses. Merci beaucoup pour ta réflexion. Et alors, une réaction parmi nos panélistes. Pour ma part, oui, je suis entièrement d'accord qu'il y a besoin d'un cadrage à minima, évidemment. Le cadrage ne veut pas dire de mettre des freins aux forces de proposition, hein, mais c'est sûr qu'il faut, ben, comme on disait déjà, commencer par une politique d'intégration où on transmet le cadre, les valeurs, on donne les grandes lignes pour justement arriver à les laisser être force de proposition en toute sérénité, sans mettre en danger et en péril les stratégies et l'image de marque. Voilà, mais c'est déjà dans la politique d'intégration de départ, à mon avis, qu'il faut donner tous ces éléments-là. Merci. Et je rejoins juste pour répondre un petit complément, c'est qu'il y a également un énorme prérequis aussi à tout ça, c'est une congruence au sein de l'entreprise. Et ça, c'est terrible. C'est que quand, en effet, il y a une communication qui est faite sur les réseaux sociaux où on parle, par exemple, de qualité de vie au travail, de mise en avant du salarié, etc. Et qu'au final, en fait, quand on rentre dans l'entreprise, bam, on tombe sur des démocratures. C'est très compliqué d'aller... Alors déjà, j'ai envie de dire que les entreprises peuvent se féliciter que les salariés ne disent rien. Parce que c'est une chance, mais si elles ouvrent la bouche... On en revient encore à la question de l'intention avec laquelle on fait les choses. Hein, et sinon, on tombe dans du washing, on tombe dans de l'affichage du déclaratif sur les valeurs, etc. Et au final, les actions ne sont pas du tout à la hauteur. Pas trop près de la bouche. Oui, bonjour, Franz, des étudiants qui sont là avec enthousiasme, contrairement à ce qu'a dit Loïc. Oui. Vous m'entendez bien ? Je l'utilise bien, oui. La question, c'est toujours sur la même thématique du degré de liberté de poster des salariés, des commerciaux à propos de l'entreprise. Et plus généralement, je voulais revenir sur le type de réseau sur lequel ils postent. Alors, LinkedIn, c'est très professionnel. On peut s'attendre à ce que les gens y communiquent de façon professionnelle. Mais
ils ont une vie privée et s'ils ont un compte Instagram, ils auront peut-être du mal à le mettre en cohérence avec le compte Instagram de leur entreprise, et ça reste quand même le compte où ils ont envie de mettre des perruques, de se montrer, je sais pas, en train de faire des activités bizarres le week-end, ou en famille, des choses très très gnangnan. comment gérer cette liberté en fait des gens, et en même temps avec le même réseau en fait en réalité. Donc pour faire réponse, on a la chance en France d'avoir la CNIL et l'ANSSI qui nous ont créé la RGPD, cette fameuse normalisation de la réglementation qui part de son fondamental principe est la séparation des usages. Donc nous avons la vie professionnelle d'un côté, la vie personnelle de l'autre. Et on peut tout à fait se déguiser, porter des perruques sur Instagram et faire le foufou en famille sans que ça n'ait absolument aucune conséquence sur notre posture professionnelle. Puisque LinkedIn est vraiment considéré et est un réseau professionnel, on peut être attaqué vraiment au tribunal par les dénigrements que l'on fait sur LinkedIn ou sur Twitter, parce que ça a une dimension professionnelle. Sur Instagram, et si en plus c'est une catégorie compte personnel, on peut absolument faire ce qu'on veut, sans dénigrer la marque, hein, mais on a son image personnelle que l'on peut développer comme l'on veut, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est vraiment la séparation des usages. On a des comptes pro, on a des comptes perso. Et si on sépare, tout est clair pour tout le monde. Il n'y a plus d'ambiguïté, donc plus de soucis. Voilà. Eh bien, on sera d'accord pour ne pas être tout à fait d'accord là-dessus, mais on peut passe la parole aux autres. Il y a une réaction. Moi-même, en se plaçant du point de vue du salarié, j'ai une vision plus holistique que ça des gens et des personnes. Et je pense que véritablement, on ne peut pas dire je rentre chez moi, je laisse ma mallette et mon costume sur le palier et je deviens une autre personne. On a une cohérence interne, et encore une fois, quand on fait les choses en conscience et avec intentionnalité, eh bien, je pense que ça nous laisse quand même dans la voie du milieu, dans un équilibre certain. On n'est pas sans arrêt au bord du précipice. Je ne pense pas effectivement que quelqu'un qui va mettre des photos de lui sur Facebook, Instagram ou autre, en train de faire la nouba avec une plume dans le derrière, ne se rend pas compte que ça aura un impact sur son image, sur son entreprise, qu'elle soit à lui ou celle où il travaille. Je pense qu'il y a quand même un certain niveau de maturité d'éducation aujourd'hui, des personnes, enfin il me semble, hein, dans la société. Maintenant, c'est compliqué de dire, parce qu'il y a une séparation, on va dire, réglementaire, qui fait qu'on ne peut pas t'attaquer sur un plan, mais qu'on peut t'attaquer sur l'autre. Je ne pense pas que ce soit suffisant. Je pense qu'il faut aussi une conscience personnelle et intérieure pour éviter ces dérives. Non, absolument. Sauf que, lorsqu'on bosse dans une grande entreprise, on peut avoir, et qu'on décide de poster quelque chose sur Facebook ou sur Insta, on peut avoir le lundi son chef de service qui vient te voir et qui te dit « Bon Pierre, tu fais ce que tu veux, mais quand même, quand même, mais quand même Pierre, t'as des collègues, t'as une équipe, qu'est-ce qu'ils vont dire de toi ton équipe si tu continues dans ces... » Mais en même temps, la personne en question des enfants. Qu'est-ce qu'ils vont penser les enfants devant le papa avec une bonne dernière? C'est la même chose. On est d'accord. Sauf qu'on te dit ça le lundi matin. Okay. Et donc on te dit, tu choisis en fait. Soit tu continues à aller au fucking Blue Boy, soit tu continues à ne plus y aller. Stéphanie. Juste tout à l'heure, Carole parlait de la RGPD et tout ça. Aujourd'hui, on peut sur les réseaux sociaux choisir d'avoir un compte privé ou un compte public. Donc, si on veut faire la nouba, eh ben on a un compte privé et puis on ne tague pas son entreprise, tout simplement. L'employeur n'aura pas accès du coup à vos actions du week-end. Après, vous pouvez partager des actions du week-end. Si votre entreprise est plutôt un peu sur le côté de faire la fête, vous vendez des articles de fête, au contraire. Mais voilà, il faut savoir taguer et utiliser le bon réseau social pour la bonne action en fait. Voilà, vous pouvez avoir un compte Insta privé et un compte LinkedIn ouvert et avec les tags de votre entreprise. Vas-y. Juste une toute petite
petite parenthèse technique qu'on a oubliée, c'est que je n'ai pas forcément passé toute ma vie, toute ma carrière professionnelle dans la même structure. Il y a un passif. Voilà, il y a du passif. Il y a, j'ai tapé comme un, je ne sais pas quoi, sur une structure. Ah merde, 10 ans plus tard, je me retrouve dans la structure. Donc oui, on ne va pas se mentir, un tout petit peu de cohérence, un tout petit peu de bon sens, hein, déjà, pour ne pas laisser sur Internet des traces indélébiles, pour faire en sorte que dans la durée, ça puisse tenir. Alors, moi, je vais donner mon avis pour une fois. Je pense qu'il ne faut pas être Dr. Jekyll et Mr. Hyde sur les réseaux sociaux. On est la même personne, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram ou sur LinkedIn. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que lorsqu'on est quelqu'un de raisonnable, d'intelligent, on ne va pas commencer à s'exprimer de manière complètement débile, que ce soit sur LinkedIn ou sur TikTok, en matière notamment de politique, de sexe ou de religion, lorsqu'on est le collaborateur d'une entreprise et qu'on ne veut pas, effectivement, soit se faire virer, soit trop être clivant vis-à-vis de ses prospects, de ses clients professionnels. Quand on est par contre un indépendant qui n'en a plus rien à fiche, comme moi par exemple, à 66 ans, moi je peux afficher le fait que j'ai voté pour Mélenchon, d'accord ? Je peux le faire parce que je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui diront « Voilà, voilà, il y a un certain nombre de personnes, voilà. » Non mais, donc il y a un certain nombre de personnes qui diront « Je ne veux pas travailler avec Loïc de ce fait-là. » Et je suis OK avec ça. Ou je vais dire, je vais taper contre Total Energy parce qu'ils détruisent la planète. Et je suis content avec ça parce que je vais au contraire, en étant clivant, attirer d'autres types de sociétés qui sont plus responsables sur le plan socio-écologique, par exemple. Mais attention, quand on est un jeune en apprentissage, lorsqu'on est un commercial dans une grande entreprise, y compris IBM, hein, où j'étais, on ne raconte pas n'importe quoi, mais pas non plus sur Facebook ou sur Instagram, pas que sur LinkedIn. Et le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est sur LinkedIn, si vous êtes un collaborateur, ayez qu'une seule posture. Est-ce que j'aide l'écosystème que je veux servir, comme disait Annick, à progresser dans son parcours d'apprentissage du pourquoi je devrais me transformer, comment je peux me transformer, quels sont les critères de choix d'une solution, si je veux parler professionnel, hein, quels sont les critères de choix d'un partenaire, sans faire la promo bête et méchante de votre société parce que ça ne marche pas, sans vous exprimer même au nom de votre société, parce que vous ne devez pas le faire, hein, mais aider simplement votre écosystème à progresser, montrer que vous êtes un bon professionnel, digne de confiance, hein, je vous aide à comprendre le pourquoi et le comment. Et ça, vous n'allez jamais vous faire virer par IBM ou par un autre. Je l'ai fait pendant des dizaines d'années. J'étais sur LinkedIn en 2004 et autres. Je me suis exprimé. J'avais des blogs. Je disais plein de choses. Jamais IBM n'a voulu me virer parce que je me suis exprimé librement en tant que personne sur les réseaux sociaux. Au contraire. Le seul moment où ils ont failli me virer, c'est quand j'ai critiqué IBM dans l'intranet. Hein, dans l'intranet, c'est-à-dire en interne d'IBM, c'est tout. Hein. Moi, je dirais que c'était une autre époque. Maintenant, on a quand même l'obligation, même si on ne porte plus le masque, d'avoir un minimum de masque social, parce que la communication faisant vite des bad buzz avec justement les réseaux sociaux, on doit encore plus faire attention, parce que ce qu'on disait aux collègues avant, maintenant on le dit sur Internet, et c'est entendu par 10 000, 20 000, 30 000 personnes, dont les conséquences ne sont plus les mêmes. Et du coup, c'est pour ça qu'on doit avoir un cadre, je pense, encore un peu plus formel. Formel, peut-être pas le mot, mais en tout cas, il faut être en responsabilité quand on est un collaborateur d'une entreprise. Alors, je vais vous demander chacune et chacun de faire votre conclusion, ce que vous n'avez pas dit ou ce que vous voulez qu'on retienne. Vas-y. Donc, je ferai la continuité de tout ce qu'on vient d'évoquer sur la posture, sur le marketing, la communication, la RGPD, la CNIL, en disant que tout ceci est englobé dans la valise de l'irréputation, en fait, de votre image qu'il y a sur Internet, à devoir bien définir déjà qui vous voulez être, comment vous voulez être perçu par votre écosystème, justement, que ce soit LinkedIn, Instagram, vos collaborateurs, vos employés, définir déjà votre objectif de vision, de perception, qui vous voulez devenir, et de tout mettre en œuvre après tous les leviers pour devenir votre meilleure version digitale. Voilà. Catherine. Merci beaucoup. J'allais parler de social washing.
Je trouve que ça peut être intéressant comme terme. On a parlé de cohérence, évidemment, entre l'aspect pro, l'aspect perso. Enfin, normalement, si, comme tu l'as dit très justement, si on fait Dr Jekyll et Mr Hyde, quand on va arriver en rendez-vous, je parle à qui aujourd'hui? Je vous ai vu là, je vous ai vu là. Je vais juste faire une petite parenthèse. Demander en contact tous ses clients, communiquer à travers les réseaux, forcément, il faut garder la même posture quand on est en rendez-vous, quand on est en clientèle et quand on est sur les réseaux. Donc, si on est logique, normalement, ça devrait pas trop mal se passer. Et si on a envie d'être professionnel en plus, normalement, on va pas se faire licencier si on est bon et qu'on parle bien de sa boîte. Enfin voilà, on parle de bon sens, voilà, tout simplement. Merci. Alors moi, je voudrais conclure juste sur un point, c'est qu'on a parlé beaucoup, beaucoup de réseaux sociaux et absolument pas de technique. Voilà. Voilà. Et donc, retenez une chose, c'est qu'en fait, pour progresser à les réseaux sociaux, oubliez la technique et parlez de vous. Voilà. Merci. Moi, j'allais parler du GBS, tu vois, le gros bon sens. C'est quand même pas mal, c'est pas mal utile, en effet, sur l'utilisation des réseaux. Moi, j'ai juste envie de dire qu'il faut toujours se poser cette question, en effet, de comment est-ce qu'on est perçu et peut-être aller questionner de temps en temps pour voir, en effet, comment on est perçu et s'assurer que la façon dont on est perçu, ben, c'est la façon dont on est réellement et comme on a envie d'être perçu. Voilà. Et si besoin d'ajuster, ajuster. Oui, on repart sur la notion de sens. Donc, le sens dans le sens direction dans laquelle on va, dans ce que tu disais, Carole, comment on a envie d'être perçu. Mais au-delà de ça, qui on est? Encore une fois, vraiment savoir quels sont nos drivers, qu'est-ce qu'on est, comment on devient nous-mêmes encore plus et comment on le montre. Et l'authenticité, c'est pas effectivement forcément ouvrir grande toutes les portes et laisser le frigo ouvert, la table pas débarrassée. On a aussi le droit de choisir ce qu'on veut montrer sans pour autant se déguiser. Il s'agit pas de se travestir, il s'agit de se sublimer. Voilà. Moi, mon mot de la fin, c'est le mot humain, parce qu'on parle beaucoup de digital, mais en fait, le mot clé pour moi, c'est vraiment l'humain, c'est-à-dire que ben, vous êtes un humain. Vous êtes parent, vous êtes dirigeant, vous êtes salarié, mais vous êtes un humain qui vous adressez à des humains, certes via le média, mes réseaux sociaux, mais voilà, il y a une intelligence des deux côtés, vous en tant qu'émetteur, eux en tant que récepteur, et la cohérence de l'humanité, c'est ce qu'il faut garder sur les réseaux sociaux. Merci, alors on va les applaudir si vous voulez bien. Merci beaucoup. Alors nous allons faire la pause, ça dure un peu moins d'une demi-heure, puisque je vous rappelle qu'ensuite on revient ici pour ceux qui veulent continuer dans les conférences ou aller dans les ateliers interactifs. Et là, la conférence ici, ce sera emploi, entrepreneuriat, la force des réseaux sociaux. Et on va commencer par la keynote de Dominique sur les nouvelles formes d'emploi. Très intéressant en général, Dominique, là-dessus. Et sinon, que publier sur les réseaux sociaux ou comment devenir justement un référent influent dans son domaine. Un de mes sujet de prédilection. Merci beaucoup à tous et à tout à l'heure. On peut une photo?